Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, nouveau décor. Il n'y a plus mes petites fleurs au mur. Nouvelle lumière aussi, nouvelle table de chevet. Vous avez vu sur les vlogs de Romain, je pense. Mais ça tombe bien, je commençais à en avoir marre de l'ancien appart, donc je suis trop contente. Après, bon, niveau qualité ici, pas les éclairages habituels, pas la caméra habituelle. Donc, il va falloir que j'apprivoise tout ça. Et puis, on verra ce que ça donne au montage, si c'est mieux qu'avant ou pas. Coucou Clémence du montage, coucou. Je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de toute ma technologie. Donc, j'ai mon ordinateur, mon iPhone et le iPad de mon chéri pour vous parler d'une application qui est fabuleuse pour faire des jeux de couple. Donc vous allez pouvoir vous éclater sans rien avoir fabriqué. Je devais vous présenter un DIY pour fabriquer avec les petits bouts de papier, mais là on est passé directement au stade au-dessus. Et vous allez voir, c'est une application que je trouve particulièrement cool. Alors cette application, elle s'appelle Jeu Sexe. Alors je vous montre l'icône ici. Vous voyez, c'est les petits oiseaux sur fond rouge là. Ça s'appelle tout simplement Jeu Sexe. Donc bon, ils auraient pu un petit peu se fouler pour le nom, pour trouver un truc un peu original, mais non. Mais bon, la simplicité, il y a que ça de vrai, hein. Donc vous allez voir, quand vous ouvrez l'appli, vous allez avoir des petits champs pour remplir les prénoms des gens qui jouent. Donc ici, on a marqué Clémence et Romain. Et vous allez pouvoir faire go. Et le principe, c'est que vous avez une petite roue, comme ça, qui tourne. Ah là, c'est tombé sur Clémence. Donc action ou vérité? Vérité. Et là, on a des petites questions auxquelles répondre. As-tu déjà hacké le compte Facebook d'une amie? Non. Vous avez aussi un petit minuteur en haut si vous voulez définir un temps défini pour répondre ou pour faire l'action. Pour les actions, c'est un peu plus pertinent. Et ensuite, vous allez cliquer sur c'est fait. Et on recommence. Et à qui le tour? C'est la roue de la fortune. Romain, action. Tu dois avaler un morceau de chocolat qui a été léché par Clémence. C'est rigolo. Bon, voilà, il y a des trucs qui vous plairont, il y a des trucs qui vous plairont pas. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une infinité de défis, de vérité. Vous avez vraiment plein de trucs. Moi j'y joue depuis un petit moment et je pense qu'on n'a toujours pas fait le tour. Les mêmes questions reviennent pas souvent, donc je pense vraiment qu'il y en a beaucoup. Voilà, il y a tout plein de petites choses rigolotes, mais attendez, c'est pas fini, parce que des applis comme ça qui proposent de faire un action vérité et qui vous proposent des gages et des questions, il y en a plein, avec d'ailleurs des designs d'applis un petit peu foireux, je trouve que ça fait un petit peu film érotique du dimanche soir sur M6. On passe au iPad, parce que c'est sur le iPad qu'on a acheté la version complète. Parce que oui, il y a une tondeuse à l'extérieur, ou une tronçonneuse, j'en sais rien. Parce que oui, c'est une appli gratuite à la base, mais dans la version gratuite, vous n'avez pas tous les niveaux de jeu. Et donc en fait, vous voyez ici, vous allez pouvoir, quand vous cliquez sur les petits menus là, mais vous allez aussi pouvoir choisir des modes de jeu. Donc vous voyez là, il y a soft, hot, hard, extrême, les dés coquins, et mes gages. Donc là, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'était juste le mode soft. Et après, on peut passer à hot. Et là, on va avoir... Oh, j'avais oublié, il y avait du son aussi. Embrasse Clémence, comme dans un film au ralenti. Donc vous allez voir, il y a des gages un petit peu rigolos. Il y a des trucs, on se dit, mais what the fuck? Mais en fait, il faut le prendre à la rigolade, il faut y aller. C'est bon, on est là pour s'amuser. Et vous allez voir que même en faisant des conneries, vous pouvez vous exciter mutuellement. As-tu déjà fait l'amour sans avoir d'orgasme? Donc vous voyez, il y a aussi des questions, dans vérité, où vous pouvez instaurer le dialogue, parler de tel ou tel sujet. On n'aurait peut-être pas pensé à en parler spontanément, mais ce genre de jeu, ça invite au dialogue et ça vous permet aussi de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, de savoir ce que l'autre aime bien, ce qu'il désire et quels sont les petits problèmes qu'on a à régler. Parce que oui, des fois il y en a comme ça, si vous dites à votre partenaire, ben non, moi je sais pas vraiment ce que c'est que l'orgasme, je sais pas si j'en ai eu ou pas, je vois pas, mais oui, j'aimerais bien qu'on essaie peut-être un peu plus comme ça, parce que je sens que des fois je frôle l'orgasme quand c'est comme ça, comme ça. Si vous discutez comme ça, il y a plus de chances qu'après vous y arriviez. Et après, si on passe en mode hard ou extrême, on va directement en mode extrême pour voir. Action. Déguisez-vous et faites l'amour dans la cuisine comme des sauvages. Voilà, là on est passé au summum. Et donc vous voyez, dans la soirée, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à jouer en mode soft. Après, au fur et à mesure que bon, ça commence à vous gaver les petits trucs qui sont un petit peu gamins, allez, on passe en mode hard et enfin extrême. Et il y a vraiment des trucs
auxquelles on pense pas spontanément. Et du coup, c'est génial d'avoir une appli comme ça qui nous donne des nouvelles idées. Un petit peu comme une chaîne YouTube, Clémence Jane et tout, tu vois. Clémence, tu es allongée sur le lit. Romain, tu dois alors lui toucher la poitrine, l'embrasser et la masturber ensuite. Et vu qu'on provoque, vu qu'en plus on peut mettre un timer, on peut se frustrer légèrement, vous voyez. Du genre, oh là, j'aimerais bien que ça continue, mais non, le temps est fini! Et on passe à un autre gage. Donc c'est tout un jeu de se titiller comme ça, de faire des choses, des petites figures imposées, au lieu de se laisser aller et de tout de suite faire dans l'efficacité. Là, vous allez pouvoir jouer, jouer, jouer encore, faire des préliminaires qui durent une éternité, mais Dieu sait que c'est important! Après, vous aurez aussi des gages, bien sûr, qui ne vous plairont, mais pas du tout. Vous n'aurez pas du tout envie de faire. Là, je vois par exemple, prenez votre pied en faisant l'amour sur le balcon ou terrasse sans que rien ne vous arrête. Donc là, c'est vraiment, si vous avez l'amour du risque et que ça vous excite, ça vous titille un petit peu de faire ça sur le balcon, en même temps, si vous êtes dans une rue super calme et qu'il n'y a personne la nuit à 2h du mat, pff, allons-y. Mais si vous n'avez pas envie, si c'est 2h de l'après-midi quand vous jouez, que vous n'avez pas envie de le mettre au balcon dans le grand boulevard où il y a plein de monde, je trouve ça normal, donc n'hésitez pas à passer les gages, on s'en fout. Et comme vous avez vu, vous avez aussi mes gages, et là en fait le principe c'est d'inventer vos propres gages qui vont être intégrés dans le jeu après. Donc vous allez pouvoir faire plus et pouvoir inventer avec le joueur, la difficulté. Là vous mettez le mode qui vous semble adapté au gage que vous voulez, vous l'écrivez. Et c'est parti mon kiki, on peut créer son propre jeu. Et enfin dans la même appli vous avez aussi les dés coquins. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Mais là je trouve qu'ils sont vachement plus sympas. Puis vous avez le mode hot. Donc en fait c'est les intitulés des dés. C'est pas vraiment des dés, c'est plutôt une roulette. Comme au casino. Hop. C'est un peu le bandit manchot du cul. Et donc vous avez homme ou femme, donc vous pouvez l'adapter hein. Si vous jouez pas homme et femme, je pense qu'on peut changer. On peut aussi mettre plus de joueurs. Est-ce qu'on peut définir homme et femme? Je pense. Franchement, je pense que ça se trouve. Donc voilà, cette petite application que je trouve super bien faite dans le sens où la navigation est agréable, le design est joli sans être vulgose comme je l'ai vu sur certaines applis où ça faisait un petit peu plus porno que jeu amoureux quoi. Vous avez plein de fonctionnalités et ce qui est cool aussi c'est qu'au niveau de l'achat de l'application, vous choisissez ce que vous voulez acheter. Donc moi, franchement, je vous conseille d'acheter le tout, au moins c'est fait. Puis ça coûte pas plus cher qu'un jeu que vous achetez dans le commerce avec un pauvre plateau et des cartes. Hein. Donc le tout il est à 6,99€, donc 7€. Mais vous pouvez aussi acheter seulement le mode hot, le mode hard, extrême, enfin avec les précédents à chaque fois bien sûr. Et donc là c'est 2€, 3€, 5€, mais bon, autant acheter le tout parce que celui-là il vaut le coup. Parce que vous allez vous en resservir plein de fois. Je l'ai conseillé à des gens dans mon entourage, ils m'en ont dit que du bien également. Enfin voilà, je vous montre un petit aperçu des autres trucs qu'on peut trouver. C'est un petit peu cheap, ça fait un petit peu sex shop. J'aime pas du tout. Vous voyez, les flammes pourries là, les nanas, on s'en fout. Si c'est pas beau. Donc ça c'était les autres applis qu'il y avait et franchement, celle jeu sexe là... Petit oiseau, petit cœur, du rouge, du noir, du blanc. Efficace, simple, sobre. Et tant mieux. Hein. Allez, on enchaîne avec un What's in my phone. Non, je vais quand même pas vous dire toutes les applis que j'ai parce que sinon on va y passer du temps. Mais pour info, vu que j'ai toujours mon petit portable avec moi, mon petit pingouin. D'ailleurs ça j'ai acheté sur macoque.com. Pareil, certains ils m'ont demandé pour la coque jaune du Mac, qui est géniale d'ailleurs, parce que ça protège vachement bien. Ça vient de macoque.com. Super cool, je vous mettrai ça en description. Non mais pour vous dire, voilà, j'ai une application pour gérer ma page Facebook et donc je reçois tous vos messages en direct. Donc c'est le meilleur moyen de me contacter, à part les MP Twitter, mais encore que ça, c'est un peu moins pratique. Mais là j'ai vraiment toute plein de petites boîtes de messages et de discussions avec vous et c'est vachement pratique pour vous répondre. Donc si vous voulez me poser des petites questions en privé, pourquoi pas me contacter via ma page Facebook. En plus je réponds en général assez vite. Et autant dire que je suis un petit peu accro au smartphone, oui. Mais disons que si j'avais pas ce smartphone, ma vie serait un bordel pas possible. Voilà, on en reparlera, on le reverra ce petit pingouin rose. On le reverra. Parce que moi je vous dis, des applis,
J'en ai testé pas mal ces derniers jours et ça va venir sur la chaîne et je crois qu'on va pas être déçus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous éclater sur cette appli. Essayez au moins la version gratuite, vous m'en direz des nouvelles. Si vous aimez pas du tout, bah tant pis, hein, mais lancez-vous un petit peu. Ça peut être un petit challenge entre vous et votre chéri ou chéri E. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé quand vous aurez testé cette appli, quand vous l'aurez un petit peu explorée. Moi, je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, j'espère avec un tournage de meilleure qualité, je ne sais pas. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. L'odeur super forte en t'étant.